J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo, toujours vidéo spéciale, hein, la deuxième partie, ma dernière tentative dans le défi Crown Champion Keep, toujours avec le même deck. J'essaie vraiment de traire ce deck parce que je l'aime bien. Simplement, donc je vais vous remontrer le deck en détail. Voilà, donc un deck à base de Prince, Belly Dragon. Voilà, un bâtiment un peu défensif, électro-sorcier. Bon, voilà, je sais pas s'il est vraiment opti. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une meilleure façon pour l'optimiser ce deck. Voilà, tout simplement. Et nous, on part directement en défi. Crown Champion Trip. Allez. Franchement, les games sont pas faciles. Les gens veulent vraiment tryhard. En même temps, je les comprends. On a une invitation pour je sais pas, des qualifieurs, un tournoi, comme j'ai dit. Et donc c'est compliqué. Allez, fournaise. Et nous, on va aller poser l'électro. Non, mauvaise idée. J'en ai ras le cul de ce fucking sorcier, quoi. Putain, ça me casse tout mon truc. Allez, chevalier. Broche. Quel là, hein. Honnêtement, là c'était good. Ouais, donc, oh, j'aurais cru qu'il aurait lancé ça. Alors, nous on va faire Baby Dragon de ce côté là parce qu'on se souvient dans le dernier épisode, le Baby Dragon était parti quand même à droite, hein. C'est vraiment incroyable. Allez, hop, pince. Bon, la tour a pris quand même très très cher, on va pas se cacher. Nickel, yes, ça commence plutôt bien, je pense. Je suis très satisfait quand même. Allez, 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 on va vraiment essayer de tryhard, hein. Donc on va mettre, je pense, le petit palier. Non, pas du tout, pas du tout. Allez, on envoie le chevalier. Hop, le bibi dragon. Et on va nous envoyer également le bourreau. What? Alors là, je le sens, mais alors pas du tout. C'est rien pour défendre les rails, hein. Bon, on a déjà perdu une tour, mais c'est pas dramatique, dramatique, dramatique. Oui! Moi, la tour est détruite. C'est ce que j'ai demandé. Boum! La tour de droite qui a pris très très cher. Hop, fournaise. Électrique. Hop. Et allez, allez. Go. Allez, hop. Là les amis, ça va être archi catandale. Le petit chevalier sur la fournaise. J'ai l'impression qu'il prend un avantage et ça me plaît absolument pas. Et la fournaise.
Bon, laisse-moi gagner, Coco là. Archi. Travail. Ah, les amis, je ne cache pas, mais c'est archi fini. Allez, prince, fais des miracles. Non, je crois que ça va finir sur une égalité. Allez. Égalité les amis, avec plus de temps je suis sûr que j'aurais pu aller encore gratter, mais c'est pas grave et il se passe absolument rien. Bon bah c'est reparti les amis. Allez, on essaye, on agresse prince électro. Let's go baby. Ah oui quand même. La Valkyrie qui fait grave le tab, nous on va mettre une petite fournaise. Avec un petit chevalier en défense. Putain, les chevaucheurs de cochon, ça fait tellement la vie. Incroyable. Des fois j'hésite à remplacer le prince par le cochon quand même. Certaines idées pourraient être comment je pourrais dire ça, ultra intéressant. Notre propre prince. Quel tendu, très tendu là, quoi. Putain, j'ai pas l'habitude ouais. Ah, la Valkyrie, ça fait vraiment tellement la différence. Allez, chevalier en fond de map. J'ai l'impression de revoir des cartes que je vois plus depuis belle lurette quoi, depuis au moins 4-5 mois quoi. Incroyable, on les revoit dans ce défi, c'est incroyable. Ça me fait regardez-moi ça, c'est des cartes qu'on voit plus du tout. Regardez, on a vu de la Valkyrie, on a vu de la Tombstone, je sais pas, mon level en tout cas vers 3000, entre 3300 et 3400, 3500, 3600 peut-être. C'est dingue, on ne voit absolument plus ces cartes. C'est pas du tout pour qu'on les revoit là, c'est incroyable. Moi j'ai fait la charge. Il
Il va me faire la boule de feu, bien sûr. Vachement en quota. Cette game va être archi compliqué et il va me finir à la boule. Oh, j'aurais même pas touché sa touche. Kick, ah putain d'enculé. Non mais c'est incroyable quoi. Bon, nous nous laissons abattre, retournons-y. Franchement, si j'ai encore une défaite, je change de deck. Hein. Cette fois, c'est mort. Je prends mon deck habituel. N'en déplaise à certains qu'on en a peut-être marre de voir toujours le même deck, mais franchement, c'est un deck que j'apprécie plus que tout. Ça marche trop bien. Ok, bah mon adversaire, un début de game très particulier, voilà. Elle va prendre très très cher, hein, même trop cher. A priori, c'est une personne de type lance un défi pour perdre. On va écouter la technique de la fournaise dans le coin adverse. Eh oui les amis, c'est incroyable, ce joueur réalise une victoire, po. Ouais bah écoutez les amis, hein, faut bien que je mange aille par quelque chose. Allez, petite fournaise, elle. J'espère gratter un peu. Alors, Valkyrie, bah nous on va le défendre. On va défendre la Valkyrie avec un bébé dragon. Et ça. What the fuck? Ouais, ok, d'accord. Absolument pas prévu. Oh, c'était pas. Hop. Nous on va le défendre avec un petit bébé dragon parce que ça, mine de rien, ce petit skate, honnêtement, en vrai, il fait très mal. Tour de l'enfer. Non, pas une tour de l'enfer. Bon, les amis, dites-moi également dans les commentaires comment détruire efficacement, simplement et pour pas cher, une tour de l'enfer. Alors, la plupart d'entre vous me diront sûrement, mais une boule de feu, je vois que des tours de l'enfer. Oui. Pourquoi mettre, ça coûte cher pour ça. Oh my god, yes. Mais le pro n'a pas su. Allez, là, là. Voilà, je crois qu'il a mal placé ça. Et de sa portée de fermer. D'accord. Non, mais c'est le plus gros forceur du game. C'est incroyable. Et bon. J'arrive à défendre son PK, c'est déjà mieux que rien, je suppose. Hein. Allez, putain, mais tard.
Aïe 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 aïe. La difficulté pour passer là, c'est incroyable. Le petit trop, on va. Je ne fais pas qu'un prince de l'autre côté, justement pour perturber mon adversaire. Yeah! Yeah! Le prince se fait pratiquement mal. Oh. Il faut vraiment que ça ne passe pas. Je crois quand même qu'il a compris un peu la partie au bout d'un moment. Regardez où il a mis tout l'enfer. Oui les amis, yes, on l'a fait. On l'a fait, c'est incroyable. Bouya. Ça les amis, c'est buenos. Deux victoires, une défaite. Ah, là c'est ultra plaisant. Allez, on repart. Alors on va placer le chevalier en fond de map. Et là on peut l'accompagner avec tout ce qu'on a. On va être pas se mentir. Alors golem. Oh là, vous avez vu à quel point les parties avec les golems sont ultra tendues. Oui, on va quand même l'accompagner d'un bourreau. Où on va mettre fournaise. Le sorcier. Électrique. Là ça va commencer à devenir compliqué. Là hop, flèche. C'est ultra mal placé, donc trop mal placé les flèches, trop mal placé là, ça va prendre tarif, non, on va mal placer les flèches, on prend tellement de dégâts, c'est incroyable. Allez, on replace. On est Alors là, ce serait mal qu'on mette prince de dragon, ça pourrait être intéressant. Ou un prince tout seul. Prince. Quel y passe. Voilà, pas si mal honnêtement, ça va. What the fuck comes to there, mais non mais... mais c'est quoi ces decks du coup? Mais non, je peux rien faire contre ça. Oh my god, incroyable. Oh le rect. Allez, on enchaîne aussitôt. Allez, prince. Nickel. Alors ça, c'est du combo.
Bon, on va dire ça va se laisser push. Okay. Pas bien grave. Intéressant comme combo de la part de mon adversaire. Je jouais vrai ou très. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais let's go quand même. Ok, là tout simplement une petite tour l'enfer. Orienté du côté. La tour est faible. Là. Bon, il attend vraiment patiemment que je joue ou comment ça se passe? J'en ai marre des gens qui font ça, putain. Oh, un P.K.A. What the fuck le P.K.A. quoi. Alors pour mon éther il y va pas de ma morte hein. J'ai même pas le temps d'enchaîner mes cartes. C'est quoi ce bordel? Oh ya ya, ma tour m'a tellement cher. Mais what? Il y a déjà l'élixir pour mettre ça quoi, incroyable. Non, par contre, je suis sorti. Je pense vraiment qu'un cochon a été quand même mieux que le prince. Non! Mais non! Mais non, les flèches! Oh là là là. Franchement, très très hardcore les joueurs. On va se voir, les amis. On va s'ouvrir un petit. Coffre tout simplement. Alors, 50 gold, c'est de la merde. Un géant royal, c'est de la merde. Et. Chevalier, pour bon, les amis. Pour compenser votre peine de me voir perdre, on va s'ouvrir. Et on a eu que les trucs de merde. Un coffre légendaire, les amis. Et oui, et quel légendaire. Putain, une que j'ai pas. Oui, la voleuse. Putain, j'ai débloqué la voleuse. Oh my god, incroyable, j'ai débloqué la voleuse. Putain, c'est... Oh, c'est insane, j'avais pas. Oh, comment je suis trop content, les amis. Bon, les amis, on va se laisser sur cette belle image de fin. N'hésitez pas à vous abonner surtout pour tout simplement ça fait progresser la chaîne. N'hésitez pas également à rejoindre les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. Sur ce, c'était Phoenix qui vous dit bye les gens.